La colonisation fait partie de l'histoire française, c'est un crime, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie, et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Ce sont ces déclarations qui ont fait réagir certains médias français hier, des propos qualifiés de choquants. Oui, ce soir, plusieurs responsables de droite et d'extrême droite font part de leur émoi après, je cite, cette déclaration. Des réactions qui ne se sont pas faites attendre non plus par quelques journaux français. Peut-on lire en caractère gras avec cette déclaration sur la colonisation, Emmanuel Macron fait honte à la droite et au FN. En Algérie, Macron s'excuse pour la colonisation, une faute grave pour la droite. Oui, effectivement, comme pour François Fion au meeting hier, a vivement réagi, une occasion en or pour lui de détourner l'attention. Hier, en Algérie, M. Macron a osé dire que la colonisation était un crime contre l'humanité. Le Front National s'est aussi empressé de commenter l'information. Sur Twitter, d'autres ont commenté disant qu'en accusant la France de crimes contre l'humanité, était une faute politique grave de la part du candidat à l'élection présidentielle française. En déplacement en Algérie, l'ancien ministre français de l'économie et des finances a accordé une interview à la chaîne d'information Choulourn News, dans laquelle il a qualifié la colonisation française de crimes contre l'humanité. Hier soir, Emmanuel Macron a toutefois souhaité mettre un terme à la polémique. Sur son compte Facebook, il dit vouloir réconcilier les mémoires.